Hey! Salut! Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dégustation avec Léna, c'est parti! Alors vous savez que c'est le genre de vidéo avec Léna qu'on adore tester et à chaque fois on trouve de nouveaux produits chez Action. Donc j'ai acheté pas mal de choses, on va goûter ça avec vous et on va vous dire sincèrement si c'est dégueu ou pas. Allez, on goûte! Alors on va commencer par tout ce qui est salé, c'est mieux? Ouais, salé. On a deux boissons et on a aussi des bonbons à goûter. Alors, en salé, on a trouvé des Cornuco Nachos Cheese. On n'a jamais testé ceux-là. Je suis tombée dessus, j'ai dit pourquoi pas. C'est comme ça. On va goûter ça. C'est le genre de vidéo où on pourrait faire de l'ASMR. Hein, c'est vrai. Bonjour, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ASMR spéciale Action. Je rigole, mais je déteste l'ASMR. Vous pouvez demander à mes enfants. J'ai horreur des bruits de bouche. Je pense que j'ai une maladie. Ça existe, je le sais. Je supporte pas les bruits de bouche. Donc, c'est pas le genre de vidéo que j'apprécie. Même moi, quand je fais mes propres montages, quand j'entends mon bruit de bouche, ça m'horripile. Je déteste. C'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Donc, toi, t'as aimé? Ouais. Moi, j'ai adoré. Franchement, c'est super bon. C'est presque meilleur que certaines marques. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, bon, vrai. On pue un peu de la ça bouche. A du goût, quoi. Ça a le goût de fromage, mais c'est pas non plus écœurant, tu vois, comme certaines chips au fromage. Donc, on a aimé. Les garçons, ils sont à côté, ils sont en train de tester aussi. Ils ont adoré. Ensuite, j'ai trouvé des mini. Alors, Sfornatini. Classico. Voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de produits en italien chez Action, j'ai remarqué. Donc, je l'ouvre. Comme ça, c'est des petits. Bout de pain en fait, on dirait. Peut-être pour mettre dans des salades, c'est pas mal. Oui, c'est du pain. Hein. Du reste qu'on met dans le fromage, c'est pour manger. Ouais, les piques et croques. C'est ça, hein, des kiri là, qu'on pique. Franchement, c'est bon. Hein, c'est pas mauvais. Hein. C'est sec, mais ouais, avec une sauce salsa ou du fromage, ça peut être bon aussi. Hein. Ou dans une salade, franchement, moi j'aime bien. On a souvent été déçus par des produits Action, mais quand ils sont bons, ils sont super bons par contre. Hein. On a encore un truc salé, donc c'est ça. Nachos to go corn chips and salsa. Alors, c'est un kit. Voilà, il y a ça et un petit pot de salsa. Voilà, c'est comme ça. Elle a l'air piquée, la sauce salsa. Donc, hein, c'est typique, c'est les mêmes. Ils sont naturels. Je crois qu'ils n'ont pas de goût fromage ou quoi que ce soit. Et ceux-là, bah, j'aime pas trop. Ils sont trop épais. En fait, je préfère celles de Leader Price ou les grandes marques. Là, ça a vraiment le goût de maïs, mais super fort, quoi, je trouve. Je crois que c'est du maïs dedans. Bon, c'est bon quand même. Ça se mange. Donc ça c'est pas dégueu quand même, vous pouvez tester, mais perso je préfère prendre le grand sachet et les sauces salsa ou guacamole à côté, et je pense que c'est plus rentable. On va passer à une boisson, c'est du Charlie Black, voilà, à chaque fois on en teste dans nos vidéos, celle-là on l'a pas testée, donc je l'ai prise, ça sent super bon, l'odeur j'adore. Ah c'est violet, je pense que c'est fruit des bois ou un truc comme ça. J'aime pas le truc, ça a goût de médoc. Ça a goût de médoc, en fait c'est pétillant. C'est pas sucré, mais il y a un arrière-goût qui est pas top. En fait, l'odeur, ça sent super bon, mais le goût, c'est pas non plus exceptionnel. Bon, ça, t'as aimé? Non. Non, je reprendrai pas. C'est pas terrible. Ensuite, on va passer au sucré. Alors, j'ai trouvé ça, chocolate chips, mais là, c'est des Nestlé. Donc, on n'a jamais pris. L'ouverture, elle est mignonne, c'est en rosace comme ça. Vous ouvrez. C'est mignon comme tout. Vous avez un sachet dedans. Ah ouais, je m'attendais à... Je sais pas pourquoi, je m'attendais à des chips salés, mais non, ça n'a rien à voir. C'est du chocolat. C'est comme ça. C'est une forme bizarre, un peu ondulée. Ah ouais. C'est la première fois qu'on en prend, ça. C'est bon, hein? C'est bizarre, je sais pas c'est à quoi. Il y a un croustillant dedans, et c'est entouré de lait. Bon, après, c'est Nestlé. Souvent, quand c'est Nestlé, c'est quand même bon. Franchement, le chocolat blanc est super bon. Donc ça, franchement, je vous recommande, c'est super bon. T'as aimé aussi? Ouais. Franchement, c'est délicieux. J'avais jamais pris... C'est une tuerie ce truc. Ensuite, vu qu'on arrive en période Reine des Neiges, qu'est-ce que j'en peux plus de cette meuf? Je peux plus me la piffrer. Donc la Reine des Neiges 2 va sortir au cinéma, je crois, au mois de décembre. Pendant 4 ans, ils nous ont bassinés avec la Reine des Neiges. J'en peux plus. Toi, t'étais fan, hein. T'en souviens? Ouais, t'avais pas quand elle était plus petite. Oh, t'étais petite quand il est sorti le premier Reine des Neiges, c'est vrai. Hein. Voilà, libéré, délivré. Je pense que tout le monde a fait une overdose de ça. Bon, bref, j'ai quand même trouvé des gâteaux Reine des Neiges. Je me suis dit, ça peut intéresser les mamans qui ont des petites filles. Fan de Reine des Neiges. Donc School Cookie. Allez, on ouvre ça. Je pense qu'on va en ouvrir un pour deux. Alors, ce qui est mignon, c'est que c'est en format individuel. Donc, pour mettre dans les cartables, voilà. Là, t'as Elsa. Non, c'est Anna. Non, t'as Anna. Comment il s'appelle, lui? Svelte. Svelte. Non, c'est Svelte. Je ne sais plus. Tellement, je l'ai vu 3 fois, je crois. Là, c'est Olaf. Et là, c'est encore lui. Bon, bref, il y en a plusieurs. Ça, c'est mignon et c'est facile à ranger. Par contre, j'ai eu elle, mais j'ai eu... C'est qui?
Bah Olaf. Attends, Olaf. Je crois que c'est Olaf Fart, non? Fais voir. Non, c'est quoi ça? C'est une fleur. Je pense que ça n'a rien à voir, je trouve. Ouais, ça allait à toi. Alors, on va goûter ça. C'est pas mauvais, hein? C'est des sablés. C'est des sablés. Ouais. Ah, franchement, c'est bon. Ça, j'ai trouvé ça super bon. Bah, comme quoi, Papy Frais, la Reine des Neiges, mais c'est des bons gâteaux. C'est un sablé super bon. Donc, bonne surprise. Franchement, là, on a de la chance. Tout ce qu'on mange, c'est bon. Parce qu'on a déjà acheté des trucs. Franchement, après, on a dû les jeter. C'était tellement dégueulasse. Hein. On va continuer dans les biscuits. Donc, là, c'est de la marque Lu, mais vous pouvez les trouver chez Action, puisque je les ai trouvés. Donc, c'est des Lu. En plus, là, c'est marqué en français. Crousty. Ouais, donc je pense que c'est des gaufrettes, hein. Vous connaissez ces gaufrettes là. Ah, c'est bien, on peut les couper en deux. Ils sont comme ça, hop. Donc on va goûter ça. C'est à la noisette alors. Ah, la noisette. Bah écoutez, c'est bon. C'est les gaufrettes que vous trouvez partout en fait. Hein. C'est le genre de truc, voilà, sous marque ou pas sous marque, elles sont bonnes. Ça reste des lus, donc normalement c'est des bons produits. Mais bon, trouver ça Action, c'est quand même pas mal parce que c'est super bon. Donc là, on va goûter du Snickers liquide. Donc, je l'ai souvent vu chez Action, j'en ai jamais pris. J'adore les glaces Snickers, toi aussi. Je suis pas fan du Snickers en bonbons, vous savez, les barres. Là, en boisson, ça me fait peur. Je crois qu'il y avait Mars et tout aussi. On va l'ouvrir. Donc, c'est marron, hein. L'odeur. Oh. Ouais, l'odeur, ça tire pas, hein, franchement. Allez, on goûte. Ah non, c'est dégueulasse. Il y a du chocolat. C'est quoi cette merde? Pas du Snickers, ça. On dirait les chocolats de distributeur à l'eau, là. C'est vrai, hein? On est à l'hôpital, là. C'est les... On dirait la même chose. Franchement, moi, je détestais. Léna a pas aimé. Et les garçons, rien qu'à l'odeur, ils ont pas voulu goûter. Après, c'est notre palais à nous. Peut-être que vous allez adorer. En tout cas, nous, on est quatre. Parce que les garçons sont en train de goûter avec nous. Ils ont pas aimé. Si, Denis, il a aimé. Non, il a bu, mais il a pas aimé. Et Léna a pas aimé, j'ai pas aimé. Donc... Ensuite, on va tester les bonbons. Donc, j'ai trouvé ça. Il y avait aussi version hot dog, donc j'ai pris version hamburger. 100% fun and tasty, je sais pas quoi. Oh, c'est marrant, on le voit là. Alors, le packaging est super mignon. Je suis pas fan des bonbons en gélatine comme ça. Et en plus, une fois, ils les font en version tout petit et mon fils s'étouffe avec, donc c'est vrai que j'aime pas trop. Alors, on va ouvrir ça. Voilà, quand vous l'ouvrez, ça fait comme ça. Et là, vous tirez par-dessous et vous avez l'hamburger. Alors, on va prendre chacun un morceau. En dessous, c'est comme ça. Moi, je vais goûter un verre, tiens. Je mange une salade. Je prends tout. Léna, c'est fait un hamburger à tout prix. Les rouges, ils sont pas bons. Ah, le verre non plus. Quoi, ce goût de merde? Ah non, le verre, j'ai pas aimé du tout. Le verre français aussi, il est pas bon. Je vais goûter genre le steak. Ah, c'est du steak, ça? Ah, non, vraiment, ils sont pas bons. Donc, franchement, bon, les enfants ont adoré, eux, mais moi, j'ai pas aimé, Léna, mitigé. Ouais. Non, c'est juste pour le fun, le packaging, c'est mignon. Mais j'en rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé aussi dans le rayon bonbons des pop-corns comme ça. Alors c'est le packaging qui m'a fait tilter, voilà, j'ai dit oh, c'est trop mignon. C'est des chamallows, hein. Mais c'est des mini chamallows. Donc ça je pense qu'on va les garder, on va les mettre dans des chocolats chauds. Ouais, c'est blanc et jaune, je vais goûter ça. Ouais, bah, c'est des mini chamallows, quoi. Mais dans du chocolat chaud, ça doit être bon, avec un petit peu de chantilly. Ça peut être pas mal, c'est, vu qu'ils sont tout petits en forme de pop-corn. Bon, c'est fun, c'est fun. Je vais les mettre de côté, on va les réutiliser. L'emballage, il est mignon comme tout. Ça, ça a le goût de vrai chamallow, hein. Ça change pas beaucoup des gros, des petits, c'est juste le packaging qui change. Et le format, mais franchement, on va les utiliser. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ces bonbons, mais voilà. On voulait goûter, voir quand même si c'était bon, et ça passe. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on a été quand même plutôt surprise, ça va. Toute la première partie de la vidéo, c'était super bon. Tout ce qui était salé, les chocolats blancs Nestlé, le Snickers, les bonbons bof. Reine des Neiges, bonne surprise. Bon, donc vous voyez, comme quoi, faut goûter. Après, c'est sûr que peut-être que vous allez aimer. Alors que nous, on a détesté, voilà. Mais c'est vraiment une vidéo fun pour rigoler et pour avoir la surprise. Parce que voilà, nous, c'est vraiment la première fois qu'on goûte ces choses-là. Mais voilà, c'est vraiment fun de faire ce genre de vidéo. Nous, on adore ça. Donc, si vous aimez vraiment ces vidéos, dites-le nous en commentaire. Comme ça, on en refera. On teste souvent aussi des produits asiatiques américains. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez m'encourager en me mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en partageant mes vidéos, en me suivant aussi sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en cliquant sur le lien Utip en barre d'infos. C'est une pub, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et on se retrouve à bientôt avec Léna pour une prochaine vidéo. Ciao! Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time.
clear to see.